Ce qui me passionne le plus dans mon métier, d'abord, je suis un professeur de microbiologie, un passionné de microbiologie. Donc, c'est certain qu'enseigner tous les concepts de microbiologie, ça me passionne énormément. Et également, faire de la recherche dans le domaine de la microbiologie, un autre élément qui est très passionnant. Donc, je m'intéresse davantage aux bactéries et aux virus, avec un penchant, pour les virus. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais les virus sont les entités biologiques les plus abondantes sur la planète. Donc, étudier ces entités-là, c'est vraiment passionnant. Qu'est-ce qui m'a amené à une carrière scientifique? Très bonne question. En fait, ça a commencé au secondaire. La première fois que j'ai regardé une goutte d'eau dans un microscope, puis je me suis aperçu qu'il y avait un monde microscopique dans cette goutte d'eau-là. J'ai été absolument attiré par ce domaine-là qui m'a amené à la microbiologie. À force de faire des études, je suis devenu un passionné de la microbiologie et de continuer à travailler sur des questions, comprendre comment fonctionnent les bactéries, comment fonctionnent les virus, avoir la liberté d'explorer les questions qui nous intéressent. Alors, c'est un peu tout ça, là, c'est le mélange de tout ça qui m'a amené à faire une carrière scientifique. Des choses qui restent à accomplir dans ma carrière, où il y en a plusieurs. Il n'y a jamais eu un meilleur moment que présentement pour faire de la microbiologie, pour étudier la microbiologie. On a des outils de recherche qui sont absolument performants, qui nous permettent de poser des questions de recherche qu'on ne pouvait pas il y a 5 ans. Donc, l'avenir est très positif pour les travaux en microbiologie. J'espère qu'on va pouvoir continuer à y contribuer.